la maison Chapelier, une aventure pleine de folie, de couleurs et particulièrement haletante où on suit la jeune Cordélia qui va tout faire pour sauver le roi devenu complètement fou puisque a priori même le chapeau magique fabriqué par sa famille ne fonctionne pas. L'aube sera grandiose de Anne-Laure Bondou. Déjà en grand format, on en a beaucoup parlé, mais alors maintenant qu'il est en poche, on n'arrête plus. Une histoire familiale incroyable où on découvre le passé et les secrets d'une mère. Un roman particulièrement touchant et surtout qu'on n'arrive pas à lâcher tant qu'on l'a pas terminé. Le bon gros géant de Roald Dahl. Pas vraiment une lecture parce que je l'avais en cassette audio, mais je l'ai tellement écouté que je crois que j'ai fini par casser la cassette. Le prince de Motordu, un classique indémodable où on suit les aventures de ce jeune prince farfelu qui fait des tours en toiture avec un château sur la tête. Le Gruffalo, un être particulièrement terrifiant mais peut-être pas si méchant que ça, mais qui fait quand même très très peur.